YouTube. Et ouais, vous allez voir si je vais arriver à faire ou pas le puzzle. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais réussir le puzzle? Dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire si vous pensez que je vais arriver à faire le puzzle. Alors, faut que je recommence. Moi en commentaire, non. Oh, je suis étonné, dis donc. Tu crois vraiment pas en moi, hein. Vraiment, tu as une piètre image de moi, je trouve. Cher Johanna. Je sais que tu m'as vu jouer. Je crois en personne, à commencer par moi-même. Oui, mais ça, on est beaucoup. On est beaucoup dans ce cas-là. Mais pas croire aux autres, c'est pas très gentil. D'autant que j'ai montré mes. Moult qualités sur. Non! Sur Metroid Prime. Attendez. La raccourci, regardez. Hop, le raccourci. Merci. Donc j'ai fait ça. Je suis très content. Oh oui, je suis très content. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? L'anneau de contrôle du système. Ça, on est d'accord, mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce qu'il faut que je regarde différemment? Non. Est-ce qu'il faut que je regarde comme ça? Non plus. Qu'est-ce qui se passe? Là? Là! Ah! Merde! Je pige rien! Là ça marche pas. Je suis Keblo en fait, là il y a un truc qui me bloque. Attendez, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent dans le truc? C'est infernal. Hein. Je comprends rien. Exit the user of canon. Use the next spinner and spinning a tiny light turns yellow, on est d'accord. Use the orb cannon here and spin to the next spinner until the last ring glows yellow. On est ok. Now get shot over to the area with the light portal and the seeker missile. Ah non, and seeker missile all four of the rings. And seeker missile. Mais c'est quoi le seeker missile? C'est quoi le seeker missile? Merde. Attendez, je vais essayer ça. Non. Ah mais oui, ça y est, j'ai compris. C'est ça le seeker missile, je suis con. Bah ouais, bah ouais. Bah ouais. Espèce d'idiot, va. Now use the spinners, so all the... Ok, donc là, faut que je refasse pareil, mais avec le bleu. Les missiles à tête chercheuse, tu les as depuis longtemps. Ouais, bah ouais, ouais, non mais là, j'étais vraiment pas dedans, là.
J'étais pas dedans, j'avais pas pigé. Voilà, et donc du coup, maintenant, faut que ça soit bleu. Et c'est super utile, c'est sur certains boss ennemis. C'est vrai que je m'en sers pas. Et j'ai noté que tu aimais tout faire au tir normal. Chacun ses kings, je juge pas. C'est faux. Tu n'étais pas là en début de stream. En début de stream, je me suis servi des différentes... Je commence. Ah, effectivement, j'ai quasiment tout fait au missile, au tir normal. Le fait est que je commence à me servir de la lumière pour péter les ennemis qui sont dans le mode sombre et compagnie. Donc ça y est, je commence à comprendre le jeu. Pam 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 pam. Ok. Et maintenant, a priori, je peux retourner dans le monde clair. Je suis où là? Je suis en face. Salut, back from le fin fond de la campagne lyonnaise. Ah ouais? Qu'est-ce que tu foutais? Et Twitch TG avec tes notifs à la con. Attends, c'est peut-être des notifs très très bien quoi. This will rise the two other grapple points and drop the rings. Exit the room through the portal. Ok. Maintenant, je suis allé voir quelqu'un à l'hôpital. Ah. Ah bah oui, regardez. J'en fasse quoi maintenant? Il y a encore autre chose à faire, c'est sûr. Ah, je commence à plus avoir de batterie. No grapple across the north platform. Use the orb cannon to get shot. Ah bah oui, d'accord, ok, fallait juste... Non, c'est moi. My bad. En fait, ouais, ils disent d'utiliser le grappin, mais j'ai pas besoin d'utiliser le grappin vu que j'ai le infinite jump là. J'arrive pas à utiliser, mais. Putain, mais ça nous remet dans un sens. Je sais jamais dans quel sens ça nous remet. Où est-ce qu'on est? Voilà. Ok. Voilà. Merci. Et donc là, ça va m'emmener en haut. Bam! Trop bien. L'explosion de lumière. Na. Quoi? Qui? Pourquoi? Attendez. Hop, lui je le vise. Merde. Même.
Merde. Ah, j'en ai plus. Ok, d'accord. Allez, meurs. T'as bien mérité. Ok. Bon bah voilà. T'as vu YouTube? J'ai réussi. N'est-ce pas génial? Exceptionnel. Merveilleux. Splendide, sublime. Et donc faut que je retourne. Faut que je retourne au machin quoi. Il y a le désert là. T'es dans le désert. Il faut que je retourne à la forteresse. Ok. Bon bah j'ai fait tout ça pour ça par contre. Hein. Là. Pourquoi il y a un truc jaune qui s'allume là-haut? Est-ce que ce serait pas le... Vous voyez dans mon casque? Et là, faut que j'aille à gauche. Dans mon casque, il y a des trucs là-haut. Regardez, il y a un truc jaune qui s'allume. Est-ce que c'est pas pour me dire que j'ai plus de batterie? Ça semble correspondre, hein. Est-ce qu'ils auraient pas fait ça, les foufous? Est-ce qu'ils sont pas dit? On va afficher... Parce que regardez, là, j'ai deux traits. Ah non, c'est pas bon. Est-ce que c'est pas la charge de la manette? Ça serait assez dingue quand même. Qu'ils aient pensé à faire ça. Mais je serais pas si étonné que ça. Faudrait que j'aille quand même chercher des petites piles. Des petites piles, des petites piles. On est là, il faut que j'aille où? Est-ce qu'il m'a dit que le jeu, faut que j'aille? Faut que j'aille là. Je confirme, ça indique le niveau de charge de la Wiimote. C'est quand même assez ouf. C'est assez ouf ça quand même, non? Ah ça, c'est quand même dingue quoi. Qu'ils aient pensé à ça, ce niveau de détail quoi. Les LED, regarde ouais, dans mon casque. Au-dessus de ma barre de vie, il y a 4 petits plots. Et tu vas voir que là ça va devenir... Tu vois, regarde, ça devient jaune. En fait là c'est pour dire que j'ai plus de... J'ai quasiment plus de batterie en fait. C'est assez ouf. Donc ça t'évite de retourner dans le menu de la Wii U pour voir ton niveau de charge quoi. C'est une connerie hein. C'est une connerie mais c'est plutôt bien pensé et c'est plutôt bien gaulé quoi.
Alors tout le reste c'est de la... tout le reste c'est de la merde. Mais ce truc là en particulier, je le trouve particulièrement bien. Pourquoi là-haut? Pourquoi il y a un truc de d'araignée là? Pourquoi il y a un truc d'araignée? Je peux pas y aller. I don't know. Dun, dun, dun. J'ai quasiment plus d'énergie. Là, là. Non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Mais le mec, il tire tout à côté. Hein. Il a tout balancé à côté. Hein. No shame. Hein. Oh non! Ils vont... Ah bah ouais, bah forcément maintenant ils sont vivants quoi. Merde. Et évidemment, le deuxième s'allume. Ouais, bisous. Hein. Je vais aller à la sauvegarde. Ok, cool. Voulez-vous sauvegarder? Ah oui. Alors, faut que j'aille où? J'aille là. Donc faut que je monte. Ah bah j'ai toujours pas compris pourquoi il y avait ça. C'est vrai que je vire le truc du milieu là. C'est quoi? Comment je le vire? Ou alors je fais ça? Ça fait rien. Aïe. Les pires ennemis. Je me bats contre eux. Est-ce que c'est par là? Oui, c'est par là. Et là... J'arrive là.
Mais non, c'est pas là. C'est l'autre. Oui, c'est l'autre. Merde, c'est en face. Zut. Je m'ai trompé. Pas grave, c'est juste en face. Ils te mettent tellement la max. Ils te mettent tellement la max, c'est fou. Ok, me v'là là. Là, il y a le portail. Attendez, je pourrais monter. Ça m'amène ici. Mais je peux prendre carrément le portail qui est en haut. Hein. Et pas me faire chier en fait. Dun dun dun. Bon, me v'là là. Il y a un truc à côté. Hein. Ouais, alors. Oh merde. Ah bah oui, c'était le truc où je m'étais fait baiser, ça. Et où j'avais rien à faire après. Ouais. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Voilà, comme ça on est tranquille. Je ne sais pas. Et donc j'arrive ici et je suis Keblo. Là je peux pas redescendre. Si il y a la porte. Si il y a une porte bleue. Mais si je peux redescendre, non? Pourquoi il y a une porte bleue là si je pouvais pas descendre? Parce que là dans la salle où je suis, là je suis Keblo. On est d'accord? Bah non, je peux. Vous savez quoi? Depuis le début. Je crois que ce truc en fait est une vitre. Alors que funking pas du tout. C'est pas une vitre. Ah mais quel con.
quel con. Mais je suis pas, c'est pas la première fois que je viens dans cette pièce, hein. Et à chaque fois quand je viens dans cette pièce, je me dis bah non, là il y a une vitre. J'ai pas lu ce que t'as écrit, Genius. Et ici, nous avons un point de sauvegarde. GG les trolls qui ont fait le jeu à Retro Studio. Mais en fait, ouais, mais en fait, c'est ça, les vitres. C'est un problème dans le jeu. Je pense, les vitres sont tellement propres qu'on n'arrive pas à faire la différence entre... Ah merde, c'est Patatart en plus qui m'a trollé, c'est même pas Genius. Je suis désolé Genius de t'avoir accusé, tu vois, à tort. Alors que c'est Patatart qui me trollait. Ouais, non, les vitres sont tellement propres qu'on fait pas la différence, hein, entre une vitre et pas de vitre. Une fois que c'est pas toi, bah c'est rarement toi, hein. Faut arrêter de déconner. Bon, hop, paf, paf. Il est ouf. Alors merci. C'est quoi? C'est juste une recharge. Oh. Oh. Da 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 da. Donc ça c'est fait. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je peux aller dedans ou pas? Ouais, d'accord. Oui, je peux. Hein? Serrure déverrouillée. Je savais même pas que c'était ici en fait. Le mec il savait rien. Bam 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 bam. Reblacky. Ouais, il y a le temple ici, ok. Hop, d'accord, j'ai compris. Hop, par contre, je vais refaire une petite pause. Et puis en même temps, je vais aller chercher des batteries. Je reviens dans 10 minutes. Je vous dis pas ce que je fais. Allez, bisous, à tout de suite. Et re... Oui, c'était pour la vidéo. C'était pour la vidéo. Comme ça, ça choque moins. Allez! Je sens qu'il va y avoir du combat là. Est-ce que vous le sentez aussi ?
On sait le gros combat ou pas? Ouais, non. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Y'a pas de combat. Je trouve ça étrange. Je trouve ça très étrange. Par contre, là, je pense... Allô? Allô? Vous avez vu la taille du truc? Non mais vous avez vu la taille du machin? Un petit mosquito? Bah j'y crois pas que c'est un petit mosquito moi. La taille du machin quoi. Bah regardez ça! Mais... Qu'est-ce que c'est que ce machin? Quadraxis, drone rebelle de haute sécurité mécanoïde lentement blindé et armé. Les articulations des jambes peu protégées sont vulnérables aux bombes boule morphing et aux attaques de la boule turbo. Ah bah oui, regardez. Aïe, aïe. Merde. Ah merde! Attendez. Non? Ah, je peux pas monter. Quoi? Ah là, il y a un truc, regardez, il y a un truc bleu là. Merde. Ah! Quoi? Hein? Okay. Ah, encore? Je piche pas. Je piche pas ce qu'il faut faire.
Ah, il faut que je lui casse les pieds en fait. Non. Ah, faut que je monte, non? Attendez. Y'a pas un truc pour monter là? C'était pas des trucs. Non. Attendez. Ah mais c'est quoi ce merde? Non mais... Oh, y a les genoux. Faire quelque chose avec les genoux là. Ouais ça, faut lui péter les genoux. Faut lui péter les genoux machin là. Merde. Ah, voilà. Bien. Merde. Aïe. Non. L'ennemi vous a pris pour cible. Ouais, j'ai bien l'impression, ouais. Merde. Merde.
Aïe, aïe. Putain de merde. Il est là-bas. Non. Je viens d'arriver, j'en ai déjà plein le cul. Ah bah oui. Quoi? Mais pourquoi ça a pas marché? Voilà. Ah. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi bidouiller le truc? Hein? Oh, ça va pas être drôle hein. Qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut analyser? Coloris endommagé, unité de construction sans sentinelle corps principalement rendu immobile. Émission de données tactiques par ultrason détectée, détruisez l'émetteur pour perturber les communications. Ah, ok. C'est ouf. Non! Ok, bon. Faut que je scanne le merdier là. Ça va, tu tiens le coup? Ouais, ça va, ça va. En plein milieu, aveugleman. Comment ça? Module de commande blindé, module de commande de l'unité de surveillance très mobile et bien armé, protégé par un champ de force, reçoit les données tactiques par onde Sonic. Comment ça, y'a Sonic? Comment ça, y'a Sonic? Au milieu? Ça au milieu? Ça au milieu? Sans déconner? Tu te fous de ma gueule, Otto? Y'a rien du tout! Ah si, là! Ah, faut que je pète le truc là. Putain, faut que je pète comment? Comment je le pète? Voilà. D'ailleurs, il reçoit plus rien du tout. Nya nya nya. L'unité est vulnérable. Comment ça elle est vulnérable? Elle est vulnérable à quoi? Ok, elle est où? Merde! Ah, barrez-vous!
Merde. Ah mais ça marche pas. Putain. Putain. Je sais pas si ça lui fait du dommage ou pas quoi. C'est méga relou. Faut que je les pète comment les antennes? Comme ça? Putain ouais d'accord ok. J'ai plus de vie hein. J'ai plus de life. Donc ça va être la merde. Vas-y. Putain non mais... Vise ! Putain... La Wiimote à la con qui vise pas assez haut quoi. Il est où ? Viso, la Wiimote! La Wiimote de merde! Tu me fais chier la Wiimote, hein! Putain! Putain, mais la Wiimote qui décide de viser le sol pendant 10 secondes. Vas-y au calme, quoi. C'est pas un problème, hein? Non! Non, c'est normal! C'est normal, tout le reste du temps c'était ok, mais à un moment, elle se dit bah fuck! Ouais, bah évidemment. Oh punaise. Chier, quoi. Et les antennes du drone, je peux même pas les lock en fait. Le gros problème, c'est que les antennes du drone, je peux pas les lock. Je l'ai juste dans le fion, quoi. Ça me fait moyen sourire. Hein. J'aime pas trop quand tu rages parce que l'ergonomie est nulle. Ah oui, mais si l'ergo est nul, l'ergo est nul. Hein, maman. Bah, je sais pas. Enfin, ah, est-ce que je vous mets le truc? Est-ce que je vous mets le truc? Sidecam. Ça, vous allez voir un peu. Mais donc ouais, je fous la manette comme ça, et juste des fois, voilà, ça regarde pas en haut, quoi. Bon bah voilà, c'est super, on a toutes les phases à se refaire. Est-ce que vous êtes content? Eh vas-y, j'ai pas le temps. Vas-y, j'ai pas le temps d'attendre. C'est du gameplay émergent, ouais, ça doit être ça. Vas-y, ouais, non, on s'en fout, on s'en fout.
Merde. Allez. Allez, reviens bleu. Bon bah je vais changer hein. Ah super. Il me casse la gueule. Eh merde. Hop. Non. Allez, recharge Samus, recharge. Merci. Bon. Comment il fait pour viser en dessous de lui? Merde, 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 merde. Oh déjà ? Et merde. Merde, j'avais encore un pied. Non, mais non, mais pourquoi tu fais ça? Je comprends pas, je comprends pas. Allez, un genou, s'il te plaît. Et il est là-bas. Le genou. Bon. Ah, j'ai même pas scanné. Je scanne. Non, merde. Ok, bon. Est-ce que je peux balancer? Ça sert à rien. Il est ouf. Ouais, putain, je peux.
Et autre connard qui va me viser. Putain, il m'a chopé. Il est ouf. Allez, 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 crève. Pourquoi l'antenne crève pas? Pourquoi l'antenne crève pas? Pourquoi lui crève pas non plus? Eh bah merci hein. Non. Oh putain. En fait c'est pire, je devrais m'en foutre en fait. Le machin qui me balance, je devrais m'en foutre complètement. Allez, une et deux une. Vas-y, file-moi de la vie, file-moi de la vie. Putain, merde, il est derrière. Putain, il m'a coincé. Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Et voilà, vas-y. La Wiimote qui a bloc en haut. Et non, ça veut pas. C'est génial, hein. Ah, bon gameplay, hein, bon gameplay. Franchement, je m'amuse. Je m'amuse. Je m'amuse comme un petit fou. On peut pas lock l'ennemi, c'est génial, hein. Putain mais casse-toi toi. Oh là là, fais chier quoi. Putain, et l'autre qui me target quoi. Regardez ça. Je peux pas le viser. Puis l'autre qui me balance des merdes. C'est infernal. Attends. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Il m'a loupé. Il m'a loupé le gros naze.
Oh là là, mais non. Putain, j'ai plus de vie, J'ai plus de vie. Et le temps que j'arrive là déjà. Voilà, là c'est bon, la Wiimote ne marche plus. La Wiimote marche plus. Allô la Wiimote. Ah bah vas-y. Ah bah ça y est, remarche. Vous avez vu? Quand j'ai plus besoin de viser le gars, elle remarche la Wiimote. C'est cool, non? Maintenant que j'ai plus de vie et que j'ai plus besoin de viser, la Wiimote fonctionne. Quel heureux hasard quand même, hein. Franchement. C'est quand même assez fou. Quand il n'y a plus besoin de viser, c'est ok. Non mais il me reste 19 en vie, d'où je continue là. Pourquoi je peux pas lock? Pourquoi je peux pas lock ce truc? Sans déconner, pourquoi ça, c'est impossible de lock? Non mais je suis mort là, c'est bon. Tu peux pas lock si t'es en vue radio. Je crois pas. Je crois. Non, tout à l'heure j'ai essayé, je crois pas. Enfin, vous avez quand même vu qu'à un moment la Wiimote, elle a dit fuck. Elle a dit je t'emmerde. Mais vraiment, hein. Elle m'a dit je t'emmerde. Elle m'a dit bah non. Et c'est bizarre parce que c'est dès qu'il n'y a plus besoin de viser, paf! Paf, elle remarche! C'est quand même fou! Ce hasard. Elle m'a littéralement dit « Je t'emmerde !» La Wiimote marche plus. Allô? Je sais pas si t'as... Si, regarde. Regarde dans mon viseur là-haut, on voit la charge de la Wiimote. La Wiimote est chargée. Regardez, je le prouve. Ah, attendez. Je peux pas... Regardez, je le prouve. Hop! Hop, pile de la Wiimote. Et ouais. Vivement qu'on invente un genre de contrôleur avec des boutons et même des genres de champignons qui permettent des mouvements précis. Donc non, c'est juste que de temps en temps, à pile quand tu vises le boss, hein, évidemment, la Wiimote... Non mais ouvre-toi la porte. Vous avez vu la vie que je perds juste à attendre le chargement de la porte. Juste ça, c'est de la merde. Vu que je suis dans le mode sombre, enfin dans le monde sombre, et je me prends la max juste à attendre le chargement. Mais ça, le chargement, j'y peux rien, c'est la console. C'est la console. Et la console, elle charge le niveau. Mais non. Je sais pas ce qu'elle a visé. Je sais pas ce qu'elle a visé. Merde.
Attendez, est-ce que j'ai mes parents qui me rappellent? Merde, merde, merde. N'hésite pas à utiliser les super missiles sur les genoux. Qu'est-ce que je fais depuis tout à l'heure? Est-ce que je... Non, enfin... Oui, c'est bien les super missiles que j'utilise là. Tu me fous le doute? Mais non, mais... Et le truc qui te lâche pas tant que tu t'es pas pris la max, quoi. Oh non, mais merde! Merde, 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 merde! Oh, 12 fois, hein. J'y retourne 12 fois. Il grimpe dessus là. Ça grimpe. Super. Je t'ai pas prévenu. Allô? Non! Non plus! Enfin, il est où le genou? Le genou? Le genou bleu, il est où le genou bleu? Il est là-bas. Putain, il s'est arrêté d'être bleu! Regardez, il y a 2 millisecondes, il y a 2 millisecondes! Putain, mais tout à l'heure j'ai mieux réussi que ça! Qu'est-ce qui se passe? J'en ai marre. Lock! Putain, mais j'appuie 12 fois dessus, ça lock pas! Oh vas-y, j'en ai plus rien à foutre. Non mais j'en ai plus rien à foutre. Franchement non mais tu t'appuies 12 fois sur le lock, ça marche pas. Bon bah à un moment... t'arrêtes quoi. Ah vas-y. Ah mais ça fait que 15 ans hein. Wouah. Jonas, si tu as des conseils sur la prochaine phase, je suis preneur. Parce que j'en ai marre de me faire défoncer. Allez, prends la vie, la vie. Là, je suis derrière. Je te vois pas. Je peux pas lock, ça marche pas, hein, regardez. T'as vu?
Ça ne marche pas. Le lock ne marche pas sur lui. Parce qu'on n'est pas méga heureux. Connard là qui est dans le coin. Putain, c'était, ça a été assez vite là. Marche pas. Putain, mais je suis où? Je suis dans le cul de quoi là? Merde! L'autre connard est là. Il est où? Non mais vas-y, lâche-moi. Lâche-moi, je te dis, lâche-moi. Allô? Allô? Y'a l'ennemi, il est dans moi. J'ai fusionné avec l'ennemi. No joke, j'ai fusionné avec l'ennemi. Et ça rame à mort. Le jeu rame à mort. J'ai fusionné avec le connard. Et du coup, il peut plus me toucher. J'ai fusionné avec Connarman. Ah génial! Oh trop bien! Oh, au moins il peut plus m'emmerder, c'est bien. Allez! Oh ouais, c'est trop tard. Ah génial! Ah bah un souci de moi hein. Bon, ah c'est lent. Vous allez me dire, c'est lent, c'est moche. Mais la console qu'on peut plus. Il est où? Vous avez vu, il me cherche hein. L'ennemi me cherche toujours hein. Mais il ne me trouve pas. Ah, tout de suite le jeu est plus simple. Je triche pas hein. Vous avez vu, j'ai pas triché hein.
Par contre, j'ai l'impression que je peux pas le toucher là. Merde, j'ai l'impression que ça le touche pas. Quoi, ça le touche plus? Ah merde, ça y est, ça, la Wiimote est repartie. La Wiimote aux fraises. J'ai l'impression que ça nique un peu ma visée quand même aussi. Hein. Mais Cœur de lumière chargé pour le rendre encore plus simple. Ah oui, mais ça marche. Vu qu'il bouge. Ah oui, mais ça oui, d'accord. Je le ferais si je pouvais locker en fait l'ennemi. Le problème, c'est que le lock ne marche pas. Je ne peux pas le lock. Donc oui, si je pouvais utiliser un tir chargé sur cette merde, je le ferais. Le problème, c'est que je peux pas. Impossible de le locker. Donc, bah, quand je charge un tir... Hein, tu peux locker. Et tu peux locker, lis ton chat. Quand tu étais en vue radio tout à l'heure, on voyait les ondes qui émanaient des antennes. Et il y avait l'overlay de lock. Ok, je réessaye. Vas-y, je réessaye le prochain coup, je réessaye. Alors, tac, tac. Oh la plaie quoi. On peut pas loquer ? Ouais, ça va. Attendez, j'analyse. Endommagé, corps principal 1, mission de données tactiques pour l'ultrason détectée, détruisez l'émetteur pour perturber les communications. Encore ? C'est la même phase. C'est re la même phase. C'est super chiant si c'est re la même phase, c'est super chiant. Module 1. Unité vulnérable, disons, avec le corps principal coupé. Deux points de faille structurelle détectés. Utiliser explosion sur ces points pour infliger des dégâts à l'unité. Non mais tout à l'heure ça marchait pas. Ouais, non mais Non mais allez-y, tapez-vous le jeu à la Wiimote. Et on en reparle. On en reparle. Vraiment, hein. Quoi ? Attendez. Parce que là, du coup, je peux le lock. Recharge ! Mais non, mais Samus ! Déconne pas ! Mais elle me balance pas son tir chargé, cette connasse! Elle peut pas. Oh, pourquoi il fait plus rien? J'en ai plus. Putain, je suis sûr qu'il faut taper quelque part. Attendez. Et autre chose, il y a encore un ennemi. Faut que je tire où? Putain, on comprend rien dans le jeu. Franchement, on comprend rien. Non, mais vraiment, faut. Là, j'ai plus rien. Là, je sais pas ce qu'il faut faire. Quand il est dans ce mode-là, il est en vue. Boss du Crocowolf dit d'avant-hier, c'était bien honteux de voir ça dans un jeu vidéo aussi quoi.
Je vais recrever hein. Voilà. Non. Ah oui, je me déplace. Oui, je sais. Oui, je sais que ça sert à rien. Et ça l'endommage ou pas, ça? Putain, mais merde, quoi. Merde. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça lui fait rien, ça lui fait zéro dégâts, quoi. Oh la merde. C'est vraiment de la merde. Non, je suis coincé. Ah, faut être en face, quoi. Ah, il est déjà passé. C'est trop rigolo. C'est trop rigolo, on n'a pas le temps de faire le tour. Ah, c'est super, hein. Je vais crever encore. Ah, il va dans quel sens? Voilà. Non? Si. Oh, il faut être pile en face. Comment on le sait qu'on est en face? Tu vois ça? Punaise. Mais ouais, mais j'ai plus que 18 points. Non, c'est bon. J'avais des points de vie. Au moment où les points de vie tombent, jeu, il te dit. Comme ça, il te fait le jeu. Comme ça. Punaise. Bon, je crois que vous avez vu... la sidecam, vous l'avez vu. Rien que pour ça, j'ai envie de recharger juste la sauvegarde là. C'est bien. C'est bien, c'est super. Il est bien le jeu. Il est bien le jeu. Putain, mais c'est de la merde! C'est de la merde! Les plateformes qui changent de sens! Non mais putain, mais... Ils se sont dit, tiens, si ça faisait un va-et-vient là, les plateformes, ça serait vachement plus rigolo! Il faut tout scanner derrière, non, c'est chiant. Faut être un gnome mini-jambiste. Un jour, je vais streamer un jeu que vous adorez. Je ferai que dire du mal de lui sans révéler ses qualités. Mais j'en ai dit des qualités. Le combat contre Samus Sombre, la dernière fois, il était très bien. J'en ai dit des qualités. J'ai dit que le combat, la dernière fois, était très bien. Je le pensais.
Mais regarde, quand t'as autant de points négatifs à un moment, je veux bien que tu l'aimes, mais comme tu l'as dit, en fait, tu l'as fait il y a 10 ans. Rejoue-y maintenant, c'est peut-être le... Voilà, hein. Et joue-y sur Wii. Oui, joue-y sur Wii avec la Wiimote. Vraiment, hein. Je t'invite à le refaire. Wiimote, hein. Et surtout tu le fais en live, hein. Histoire qu'on te voit bien t'amuser. Voilà, bah voilà, j'ai pas le bon timing, donc j'ai aucun pied. Non mais le jeu est plein de qualités, hein. Le jeu a une histoire. Voilà, donc ça c'est une qualité. Le jeu est plutôt beau, même si en termes de couleurs, ils se sont dit tiens, si on mettait trois couleurs seulement dans le jeu, ça serait vachement bien. Mais il y a de l'histoire, hein. Bon, avec des banquiers, on comprend pas tout, mais... Ah, ça j'aime bien aussi ça. Putain mais les genoux. Mais j'aurais tellement pas dû y jouer en mode gros zizi là. C'était une connerie, hein. J'aurais dû tellement y jouer en mode normal, quoi. En fait, c'est aussi une connerie de ma part, en fait. On est d'accord que j'ai clairement pas le niveau ni la patience sur ce jeu pour y jouer en mode difficile. Après, voilà, je savais pas que c'était le mode difficile, quoi. Je me doutais pas que effectivement avec la Wiimote c'était de la merde. Qu'ils avaient fait un mode en plus exprès, quoi. Oh là là. J'ai dit jouer sur GameCube, mais j'ai pas de GameCube. Ce qui a été déjà présent dans le premier, c'est de l'acquis. En revanche, les défauts n'étaient pas présents dans le premier. Ouais, le problème, c'est la dissonance entre le premier et celui-ci. J'ai donné ma Wii, donc ça risque d'être compliqué. Mais si tu trouves une Wiimote plus avec une barre pour le PC, je le ferai sur le Dolphin. Quadraxis fait penser à l'ennemi robotique de Metroid 5. Spoilers. Ils ont voulu faire un jeu de plus difficile et pour le coup, ils ont mis la barre trop haute. Je suis la première à le reconnaître. Ouais, mais avec la Wiimote, c'est injouable, quoi. En général, tu te rends pas un jeu difficile en sabotant le gameplay, tu rends les épreuves plus exigeantes. FPS et Wiimote ont absolument rien à faire ensemble. Merci Nintendo pour cette merveilleuse invention. Mais même pas, parce que enfin, sur le 1, ça passe. Ah, par contre, le truc bien, c'est que ça, cette phase-là, une fois qu'il t'a touché, il t'emmerde plus. Putain, non mais ça rebondit sur une partie du corps, quoi. Non mais... T'as 4 millisecondes. T'as 4 millisecondes pour trouver le jeu, pour taper dans le genou. Pas plus, hein. 4 millisecondes. Sauf quand c'est dans l'autre côté. Regardez quand vous pouvez pas tirer dedans, par contre ça va. Putain.
Merde. Putain, mais ça fait même pas de dégâts ça, hein. Regardez les 4 millisecondes pour le genou. T'es trop bien. Oui, c'est génial. C'est les meilleures phases. Oh, et en plus là, va falloir que je fasse la phase numéro 2 à la legit. Non mais regardez. Putain, va. Ah ouais, mais là je peux viser, maintenant je sais. Je sais viser. On va chercher la vie déjà. Putain, mais merde. Ça dure tellement longtemps ça. Ok, donc là, paf, là je peux. Ça marche pas ? Il est où? Zut. Ça tire quand même à côté. Putain. Non mais casse-toi toi, casse-toi. Tu m'as dit gameplay Wiimote pour le coup je connais pas, je l'ai mis plusieurs fois. Le 3 m'a paru bien gérer la Wiimote, de mon étonnement. Mais ouais, mais le 3 il a été fait pour la Wiimote en fait, donc je suppose que la difficulté est faite pour en fait, et pas en plus, enfin voilà. J'étais con honnêtement de lancer le jeu et de le mettre en mode vétéran quoi, et pas en le mettre en mode normal quoi.
S'ils ont foutu un mode normal avec la Wiimote, je pense que c'est pas pour rien. Hein. Donc là, j'ai bien galéré en plus. Hein. Le premier n'a pas un gameplay twin stick, hein. Du coup, ça s'adapte mieux. Mais Ico's a un gameplay twin stick, non. Non, les deux. Hein. Le 3 a été développé pour la Wiimote, donc on se comprend aussi. Voilà, voilà ça. Même sur celui de base, tu peux le lock si tu veux. Je sais pas. Qu'est-ce que je devais faire là? Je sais plus. Oui, ah oui, lui casser la gueule. Ok, et là je me mets là. Viens par là. Mais viens. Il avance pas, il avance pas. C'est fait exprès. Je vois pas où il est. Mais putain! Mais me dites pas que c'est pas fait exprès, sans déconner! Je suis coincé, il avance, elle avance plus. Je sais pas pourquoi. Elle bougeait plus. S'amuse, bougeait plus. No joke, hein. Pourquoi j'ai l'impression d'être si bas? J'ai rien compris. Et merde. Allez. Ok. Oh là là, la caméra qui tourne dans tous les sens. Non bah là je peux pas l'avoir là. Oh il est de l'autre côté. Il s'arrête. C'est une blague. C'est une putain de blague. Il est où? Putain mais c'est une blague! Ah bah non mais c'est trop tard. Non mais non mais ça fait chier! Ça fait deux fois! Oh il s'arrête juste devant ma gueule. Non mais juste pour me faire chier, il s'arrête devant ma gueule en plus. Non mais là me dites pas que c'est juste quoi. Enfin, attendez, il part dans quel sens? Je vois rien, je vois rien! Putain, la caméra de merde! Viens. Combien de temps? Merci, merci Goebbels pour le GG. Mais j'en peux plus, quoi. J'en peux plus. Franchement, j'en peux plus. Je suis à la fin, hein.
Tellement de patience pour un jeu qui triche comme ça, j'aurais pas pu. J'ai une résilience, hein. J'ai une résilience sur les jeux vidéo, mais là, franchement, il est en train de me faire péter un plomb, quoi. T'as pas un stick pour diriger la caméra? Non. Pas quand je suis en morph ball. Parce que là, tu vois, la caméra, je la gère avec la Wiimote. Mais dès que je suis en morph ball, ça sert plus à rien. Et le stick, il sert à me diriger. Attendez, je vais crever. Oh putain, il faut pas que je crève. Hein. Parce que là, faut que je trouve un point de sauvegarde avant de crever. Parce que j'ai plus de vie. Ah ouais? Ah ouais, 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 ouais. Ah, bien le jeu, bien le jeu. Alors là? Oh, et si je crève? Je le refais pas. Hein. C'est quoi ça? Je pense que t'aurais plus de plaisir en mode normal aussi. Si je dois le faire, je le ferai sûrement pas en vétéran. Ah ouais, non mais. Rabia ? Mais pourquoi tu me. Elle me pousse l'écran. Tu veux venir, mon chat ? Tu veux venir ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Rabia, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu vas sur les genoux ? Attendez, y'a Rabia qui est en train de prendre une décision là. Qu'est-ce que tu fais, Rabia ? Oui, oui mon chaton, ça. Oui, c'est chaton, papa. C'est le petit chaton, papa. Oui. Plus c'est bien, ça me permet de récupérer de la vie. Ça me permet de récupérer de la vie pendant ce temps-là. Oh oui, mon petit chat. On veut l'autre cam. Je sais pas si vous allez avoir des masses. Hein. Déjà, il y a eu un R comme Rabia, c'est sûr. R comme Rabia. Hop. Et Rabia, elle est là. Pendant ce temps, à Veracruz. Très bonne ref. Très bonne ref. Vous voyez, Rabia, elle est là. Chaton. Ah, mais Rabia... elle est toute mimi. Mais Rabia, elle est pas câline. C'est quand elle a décidé, et très peu de temps. Mon chaton. Ouais. Petit chat. Allez hop. J'ai pas récupéré assez de vie encore, mais... pas grave, quoi. Si. Non, peut-être. Accès au contrôleur de la ruche. Ah oui, c'est les merdes... on récupère le courant. Il y a Samus qui va récupérer le jus. Ah oui, récupère le courant. C'est du courant qu'il récupère pour alimenter des trucs. Donc en fait, là, charger ses batteries. Tu vois, transfert d'énergie terminé. Que je lis, le mode vétéran correspond au mode normal sur GameCube, mais comme la version trilogie dispose d'une meilleure IA, ça arrange le plus difficile encore, d'où l'inclusion d'un mode normal sur la trilogie. Point de vie réduit sur tous les ennemis et boss. Mais ouais. C'est normal que ton armure soit au 30... Ouais, ouais, c'est normal. Et non, non, mais je sais bien, Johanna. J'en avais parlé dès le début, en fait, enfin, que le mode normal
Le mode vétéran, c'est le même mode que sur GameCube, mais... Mais derrière... Ah, ça m'a tout restauré. Ça m'a tout restauré mes points de vie, ça c'est cool. Abia. Abia. Donc oui, c'est pour ça que je dis que j'aurais pas dû... Gérard Lambert. J'aurais pas dû passer en mode vétéran en fait. C'était une connerie. Tes deux écrans sont inversés. Hein? Ah, tes deux cams. T'as pas de manette sur ta Wii? Non, j'en ai pas. Oui, oui, c'est normal, la facecam est inversée. C'est normal. Ce qui fait que quand je regarde le chat, vous avez l'impression que je regarde le jeu. C'est pour ça que j'ai fait ça comme ça. Ah si, d'ailleurs j'ai une manette sur la Wii. Bah si, j'ai une manette, j'ai le contrôleur pro, mais il est pas compatible avec le jeu. La blague. Non mais... Quoi? Ah oui, c'est le truc... Non mais pourquoi je me suis pris du dégât là? À cause des merdasses là? Ouais, a priori. A priori oui. Ouais, les Metroid Prime sur Wii sont pas compatibles avec les manettes, ouais. Oh, ça fait tellement mal ça. Non mais vos gueules. Juste j'ai pas envie là. Putain. Il y avait pas de manette sur GameCube. En plus, je joue sur Wii U. Je joue sur Wii U, donc il y a pas les ports, GameCube en fait sur Wii U. Et là, je veux aller en face. Ok. C'est parti. Ouais, piou 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 piou. Quoi? Eh oui! Des trucs invisibles! Quoi? Quoi? Oh là, mais pff, je vais être obligé de les buter, quoi. Alors que j'aurais pu y aller tout droit, mais non, va falloir que je les bute. Parce que le jeu veut que je les tue. Voilà, voilà, ouais, super! Oh là, oh là là! Oh, puis moi je tombe! Oh zut! Oh! Voilà, super! Le jeu t'es content, c'est bon, on les a tués! C'est ce que tu voulais. C'est génial, hein. Oh putain, mais merde. Allez, moi je vais passer par là. Putain, je suis gouré. Oh, c'est beaucoup plus rigolo. Non.
Vise les deux. Elle vise qu'une patoune, ça m'énerve. Moi j'en ai plus. Attendez. Ça me saoule, je peux pas buter l'ennemi parce que j'ai pas ce qu'il faut et parce que ça visait qu'une seule patte. Ils reviennent ? Je les ai butés il y a 2 secondes. J'en ai plein le fion. Elle est où la sauvegarde dans le coin? Parce que là je vais la sauvegarder, je sens que... Regardez, j'ai plus que 2 points... Je vais sauvegarder. Avant de crever, et de regretter amèrement et de voir me taper tout le boss, je vais sauvegarder. D'autant que c'est pas très loin en plus. Et l'adaptateur GameCube sur Wii U ne fonctionne qu'avec Smash Bros. Ouais. Allez. Je crois que je vais m'arrêter là. Ouais. Hop. En fait. Tac. Allez, bah des bisous. Des bisous YouTube. Finalement, bah on terminera la prochaine fois. Hein. Dommage.